Salut YouTube, on se retrouve pour le vlogmas numéro 3. Donc on est le 3 décembre. Bon, j'avais dit que je ferais... Enfin, que le vlogmas serait toujours posté vers 21h ou quoi que ce soit. Mais voilà, hier, ça n'a pas été très possible. Donc je vais faire un petit peu comme tout le monde. En fait, le 2 décembre sera posté, le 3 décembre sera posté... Coca-Cola, placement de produit, bonjour. Sera placé... Je vais y arriver, hein. Sera posté le 4 décembre et ainsi de suite parce que ce sera beaucoup plus facile. Parce qu'hier, je suis un peu rentrée tard, j'avais pas la wifi et du coup, j'ai pas su poster. Voilà, donc on est le 3 décembre, on va aller ouvrir le calendrier de l'Avent Essence. Et puis au soir, c'est celui d'IKEA. Cette journée, je sais pas si elle sera passionnante. Il y aura peut-être des courses, il y aura peut-être, je sais pas trop. Voilà, parce que là, il est quand même 13h. Enfin, voilà, je viens de rentrer, il est 13h30. En mode la fille normale, tu vois, normale. C'est comme ça tous les vendredis soirs, donc ça va être top, tu vas voir. Un samedi de vlogmas, quoi. A tout à l'heure pour la suite des aventures. Tu vas kiffer, YouTube. Voilà le moment que tu attends le plus. On va ouvrir le calendrier de l'Avent. T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Dis-moi que t'es prêt. T'as la luminosité, elle est super orange dans ma chambre. Bonjour, bienvenue. Le petit numéro 3. Je vais encore tout casser, hein, putain. Je suis pas douée, ça, maman. Il faut l'ouvrir encore ici. Et ceux qui inventent les calendriers de l'Avent, ils sont pas terribles. Ah oui, à chaque fois il y a des petits trucs comme ça, voilà, que je ne lis pas. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est une poudre, je pense. Ah oui, c'est une poudre matifiante. Voilà, je vais faire comme la youtubeuse beauté qui se présente comme ça. Elle est trop trop belle. Voilà, donc pour le moment on a ça. On a le petit baume à lèvres. Il va tenir, il va pas tenir. Et l'eyeliner. Donc c'est vachement cool. Pour le moment je suis trop contente de mes cadeaux. Mais ça c'est cool parce que j'en avais plus de poudre matifiante. Donc du coup voilà, c'est parfait. Puis là on attend toujours mon frère qui normalement doit arriver, enfin je sais pas, s'il travaille pas il rentre, s'il travaille il rentre pas, c'est logique. Donc j'espère qu'il travaille pas parce que voilà, ça fait longtemps qu'on s'amuse toujours avec lui dans les vlogmas. Donc voilà, j'espère qu'il va revenir. Oui, je fais un tour de ma maison, c'est chouette. Voilà, donc voilà, ben on sait pas. Et puis je vais aller faire les courses avec ma maman aussi. Mettre un petit peu d'ambiance, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Cette journée va être cool aussi. J'ai préparé un peu l'émission que je fais avec Nathanaël. Donc on vous donne le sourire demain à partir de 10h jusqu'à 13h. Donc n'hésitez pas à nous écouter. Pas. Et puis ben voilà, je crois pas que ça va être le vlogmas le plus intéressant du monde. Voilà, j'ai pas une vie passionnante. Hein. Voilà, c'est comme ça, t'as des choses qui arrivent. Wow. Esprit, esprit, es-tu là? Il est là. Non, je sais pas. Voilà, cette lampe déconne, ça fait super glauque, regarde. Ouh. Amityville ici. Voilà, c'est l'heure d'ouvrir le calendrier de l'Avent IKEA et je ne trouve pas le numéro 3. Ah si, je l'ai, j'ai le numéro 3. Numéro 3, c'est envoyez-vous vos vœux à vos amis et à vos parents. Ben oui, je fais des petites cartes pour mes amis et mes parents, ben voilà, j'habite toujours chez eux, donc je vais pas envoyer une carte à moi-même. Bien plus chouette qu'un like sur Facebook ou un petit SMS, un petit mot rédigé à la main, glissé dans la boîte aux lettres. Comme au bon vieux temps, vous écrivez une lettre, une carte à vos proches, ils vont adorer. Ben oui, moi je fais toujours ça. À mes amis, je leur écris des petites cartes et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Voilà, on a ça comme petit chocolat aujourd'hui. J'aime beaucoup le calendrier IKEA parce qu'il pose des petites questions et tout, c'est chouette, pas tous les jours, mais là, le 1er, le 1, le 1er, le 2 et le 3, on a eu des petites questions, je trouve ça vraiment super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve ça vraiment chouette de pouvoir répondre à des petites questions, comme ça en même temps, on connaît un peu nos habitudes de Noël. Je vais goûter ça. Non, bon, mais partout c'est dégueulasse. C'est du caramel au beurre salé à l'intérieur.
Nat, il nous a donné encore un défi dans Culturellement Vôtre. La fois passée, c'était moi qui m'ai donné un défi avec des vidéos, parce qu'on fait souvent des petits défis entre nous à la radio. Ici, c'était de créer un truc d'art abstrait. Et j'ai acheté des toiles chez Action. Je sais juste plus dans quel plastique je les ai mises, parce que j'ai trop de plastique dans ma vie. Mais en gros, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Je sais pas si. Voilà. Je trouve ça vraiment cool. Enfin, j'aime bien les couleurs, j'aime bien. Voilà, je crois que je vais faire un peu un truc dans ce genre-là. J'ai encore un peu de peinture, ou un truc avec des éponges, des reliefs, hein, je sais pas trop, mais voilà. Il faut juste que je retrouve mes toiles. Dans quel plastique les ai-je mises? Tel est le problème de ma vie aujourd'hui. Voilà. Mais sinon, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves ça cool ou pas? Parce que voilà, personnellement, je trouve pas ça trop dégueulasse en fait. Bon, tu remarqueras fort que l'art, c'est pas mon truc. Et qu'en plus, tout ce que j'ai comme peinture, c'est de la gouache. Et que la gouache, c'est de la merde. De ma gueule. Voudrais peindre à des collines. C'est vrai que c'est super fluide, les collines. Et c'est super beau. Enfin, que la gouache, ça fait peut-être tache. C'est très moche. Tabernacle. Carlis, comme diraient les Québécois. Faudrait que j'en mette une deuxième couche. Bonjour. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment. On voit que c'est une toile de chez Action parce que je sais pas si tu vois, mais on voit tous les grains. C'est dégueu. Voilà. C'est dégueulasse. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. En plus, la gouache, c'est dégueulasse. Mais bon, voilà. C'est plus ou moins bien parti, je crois. Bon YouTube, il est temps que je te dise au revoir. J'espère que ce vlogmas t'a plu. On se retrouve demain. Demain, on sera le 4 décembre. Ce sera une journée de radio puisque je vais rejoindre Nathanaël à 11h. À la radio pour son émission, on vous donne le sourire. Et puis je sais pas, faudra peut-être que j'aille chercher le frère, que j'enregistre une autre émission parce que mercredi, je dois étudier mon examen. Donc je pourrais pas faire mon émission du soir. Mais en tout cas, voilà, demain il va quand même se passer plein de trucs plus qu'aujourd'hui en tout cas. Et voilà, si j'ai le temps, j'essaierai aussi de continuer mon œuvre d'art, si toutefois on peut appeler ça une œuvre d'art, n'est-ce pas? Parce que l'art et moi, on n'est pas très. Très compatible. J'admire beaucoup l'art, mais voilà, je ne serai pas artiste dans ma vie. Parce que même si les gens disent, oh, mais oui, mais ça s'apprend, machin, il faut quand même un certain talent que je n'ai pas. Voilà. Mais sur ce, je te dis bonne nuit, je te fais de gros bisous, je te dis à demain pour un prochain Vlogmas, donc surtout reste bien branché. Tchuss!